Bonjour tout le monde. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je vous parle de notre tout nouveau produit, le Gel Liner Crème 100% naturel Lisanoto. Alors, on est très, très contente de vous offrir ce produit-là parce que c'est un essentiel dans les produits de maquillage pour plusieurs personnes et depuis longtemps, depuis des millénaires. La ligne au-dessus de l'œil, c'est vraiment un look signature pour plusieurs femmes. Et donc, ben, chez Lisanoto, comme notre mission, c'est entre autres de vous offrir des essentiels. Voilà, c'est fait. On a le gel liner. On a travaillé fort depuis un an pour avoir une belle formule et vous l'offrir, la tester et la retester. Et ça fonctionne super bien. Un beau produit crème, évidemment la couleur noire qui est un classique, un essentiel encore une fois. Quoi vous dire sur la formulation du gel liner? Eh bien, c'est une formule très simple et efficace. On retrouve entre autres de belles huiles hein, pour que ça glisse bien et que ce soit agréable sur la peau. On a de l'huile de coconut, de l'huile de ricin, de l'huile de pépin de raisin. On a de la cire de candélilla pour que ça tienne bien. Et donc, c'est un produit végétalien. On a la belle vitamine E qui est essentielle à la fois pour la conservation du produit et aussi pour la santé de la peau. Et on a notre petit ensemble de plantes qui sont dans la plupart de nos produits de maquillage, en fait dans tous nos produits de maquillage, comme le thym, l'orégan, l'écorce de citron, la cannelle. Et tous ces ingrédients-là sont à la fois antioxydants et antibactériens. Donc, ce sont des produits qui font du bien à la peau. Là, maintenant, quoi vous dire sur le gel liner? Parce que je ne suis pas une experte hein? Pour l'application du gel liner, je veux dire. Mais quand même, moi, je m'amuse beaucoup avec ce produit-là. Ce que j'aime beaucoup du gel liner, c'est que ça habille tout de suite le visage. Pour plusieurs femmes, comme je disais, c'est vraiment le look signature. Une fois qu'on a mis le gel liner, et voilà, on a un look à la fois fort, et naturel, hein, dépendamment du genre de ligne qu'on va tracer et qui fait que on n'a pas besoin d'appliquer d'autres choses. C'est tout de suite un look essentiel pour des sorties le soir, mais aussi le jour pour les femmes qui prennent de l'âge aussi. Je trouve que c'est vraiment beau. Ça souligne le regard, ça souligne la beauté naturelle avec force et douceur à la fois. Donc, c'est vraiment un produit caméléon qui est vraiment intéressant. Par contre, c'est pas si facile que ça à appliquer. Hein? Aussi, une des promesses chez Lisanoto, c'est que nos produits sont faciles à utiliser. On peut les utiliser, glisser nos produits dans le sac à main, les appliquer durant la journée, miroir, pas miroir, c'est pas plus grave que ça parce que ça se fait facilement. Mais le gel liner, ça prend un peu plus de technique. Et donc, il nous faut premièrement un pinceau, un petit pinceau. Idéalement, je peux vous suggérer celui qui est en biseau, un petit pinceau en biseau là, qui est vraiment fait pour les yeux. Ou sinon, moi, j'aime beaucoup celui-là. Je l'ai utilisé, là, je l'utilise dernièrement pour appliquer le gel liner. C'est plutôt droit, il y a une pointe au bout, mais il est un peu plus épais que celui à biseau et je trouve ça plus facile d'utiliser le gel liner. Donc, on va chercher la crème avec le pinceau et voilà. Et là, c'est le défi du jour. À chaque fois, on trace la ligne comme on peut. Et pour moi, c'est presque un exercice zen d'utiliser le gel liner parce que tous les jours, la ligne est différente. C'est un tracé qui est différent et il faut s'amuser à travers ce processus-là. Et pourquoi pas sortir notre côté artistique et aussi notre côté zen, c'est-à-dire accepter ce qui est. La ligne n'est jamais parfaite, sauf dans les vidéos Instagram. Mais c'est intéressant et ça nous ressemble et on peut l'utiliser un peu comme une leçon de journée sur laisser aller et accepter ce qui est. Alors ça, c'est le petit côté philosophique du gel liner.
Parce que dans les produits naturels, les anotaux, ben, on embrasse la santé holistique, la beauté holistique, et à travers tout ça, ben, c'est pas juste la beauté physique et le look extérieur, mais c'est aussi comment on se sent à l'intérieur, mentalement et dans le cœur. Et puis le gel liner, ben, ça nous apporte tout ça, croyez-le ou non. Alors, ben, voilà, tu sais, je vais essayer, voilà, je vais essayer, mais c'est pas évident non plus en vous faisant. Là, mon côté un peu perfectionniste est un peu stressé, mais on fait une ligne comme ça. Voilà. Oups. Et ça s'enlève quand même facilement. Une fois, quand on trace avec le pinceau, on peut jouer soit avec les doigts, avec un coton-tige aussi, c'est bien pour effacer ou réaligner la ligne. Et ensuite, ça tient en place vraiment toute la journée, ça tient bien. C'est sûr que si on a les paupières qui ont tendance à devenir grasses, c'est bien de faire une base. Vous pouvez faire la base sur les paupières avec notre base texture gel, qui est un gel, et donc ça va comme lisser la peau et aider à ce que la peau ne soit pas... à ce que la peau devienne moins grasse durant la journée. Vous pouvez aussi utiliser le cache-cerne avec notre applicateur éponge précision. Vous en mettez un peu sur les paupières, ça fait très beau, ça fait un beau fini. Et ça tient vraiment bien, c'est très longue tenue. Et ça permet aussi de contrôler l'excès de sébum. Vous pouvez le faire aussi avec la crème teintée, même avec la poudre bronzante. Tous ces produits-là contrôlent l'excès de sébum. Alors, vous appliquez ça avant le gel liner et ensuite, c'est le gel liner. Alors, allons-y! Je vais faire ça très, très vite parce qu'on sait tous qu'on a beaucoup de trucs à faire dans la journée. Et voilà, avec le pinceau, on fait la ligne, on peut la faire plus ou moins épaisse. On peut repasser, on peut aller jusqu'au coin, on peut même aller en dessous, hein? On peut même faire un petit tracé en dessous. Bon, je ne vais pas passer trop de temps avec l'application parce que j'ai besoin un peu de mes deux mains. Puis, comme je vous dis, là, c'est pas évident de laisser aller le côté perfectionniste. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on fait l'autre côté. Et comme vous voyez, on a tout de suite un bel effet. Un peu dramatique, mais en même temps, c'est tout à fait simple, c'est tout à fait naturel. Et puis, ben, je vous encourage à l'essayer, évidemment, si vous aimez vous maquiller. C'est vraiment un super produit, très amusant, le gel liner. Et voilà. Alors, vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Moi, en attendant, je vais faire la deuxième ligne pour que ça a l'air quand même, malgré tout, un petit peu plus fini, mon affaire. Et puis, ben, on se reparle très bientôt. Passez une excellente journée.